Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration et découvrir les autres façons de faire le son « que ». La lettre « q », par exemple, elle fait le son « que » dans « cinq » et dans « coq ». Attendez, monsieur Q, revenez! Vous n'allez pas nous quitter comme ça! Excusez-moi, je suis timide, je ne me montre presque jamais seul. Je préfère sortir en compagnie de madame Q. Tous les deux, nous formons aussi le son « que ». Cela fait partie de notre petit train-train quotidien. Et justement, la voilà, madame U, bonjour. Alors, comme ça, vous et monsieur Q, vous êtes inséparables. Oui, on ne se quitte presque jamais. Alors, j'ai plusieurs questions en vrac. Quoi de neuf? Qui êtes-vous? Quand repartez-vous? Que faites-vous? Quelle est votre passion? D'abord, on adore les animaux. Et aussi l'arithmétique. La preuve, nous avons 14 444 coqs à notre disposition. Plus 15 150 bourriques. Mais dites-moi, bourriques, ça s'écrit avec Q-U, mais aussi E. Oui, figurez-vous que les noms féminins qui se terminent par le son Q s'écrivent très souvent avec les lettres Q, U et E. Comme bourrique, mais aussi comme bic ou tic. Eh bien, voilà de quoi monter un cirque. Une autre façon de faire le son Q, c'est d'utiliser la lettre K. Une lettre voyageuse qui, en plus de faire des kilomètres, ramène des mots des quatre coins de la planète. Par exemple, koala nous vient d'Australie, karaté nous vient du Japon, alors que look est anglais. Et ce n'est pas tout. Pour former le son que, la lettre K s'associe à la lettre C. On les voit souvent dans des concerts de rock, sirotant un cocktail à base de lait de yak. Autre duo de choc, le C et le H. Habitués à faire le son che, ces deux lettres s'autorisent parfois une petite folie. Elles rassemblent un orchestre et chantent en chœur la chanson du son que. Et je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais c'est une chanson quelque peu cacophonique, pour ne pas dire complètement chaotique.